Allez, salut à tous, c'est MaFiaMi130 et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouveau let's play sur The Vanishing of Evan Carter, la disparition d'Evan Carter, en compagnie, oui, pour ce let's play, ça va être assez spécial, on va essayer de faire ça, mais avec Windy Blood, salut à toi. Coucou, 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 coucou. On va essayer de faire un let's play, on peut dire solo, mais en coop. Ça faisait déjà un moment que je voulais essayer ce petit ce concept, système. ouais, qui est assez spécial. Et sur un jeu d'immersion ainsi, on peut dire que Ou ça pourrait être facile en fait. qui demande beaucoup de réflexion et puis qui est pas très très linéaire. Enfin, on est un peu libre de ce qu'on veut C'est faire. ça, Donc. un jeu d'action ça n'irait pas puisque en solo ça ferait bizarre, mais un jeu comme ça d'immersion ça peut être vraiment bien. On va pas perdre plus de temps, on va lancer le jeu et on va bien voir. J'ai commencé une partie pour les tests son et là on est parti pour le vrai jeu. Donc je me tais pour le début parce qu'il va un peu parler et du coup je reprends tout de suite. Oui, en fait non, je peux vous parler un tout petit peu pendant le chargement. J'ai oublié qu'il était super long ce chargement de. Voilà. Maintenant, je me tais et je reprends une fois que il a fini de parler au tout début. Cet jeu est une expérience narrative qui ne vous quittera pas par la main. Maintenant, silence complet. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Au revoir. Ce jeu, comme il a dit, c'est une expérience qui ne guide pas par la main. Donc ça veut dire que c'est nous qui doit tout comprendre. Il va pas nous dire, ah ça, 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 rien. Ce jeu va rien nous expliquer. Il va juste parler, Paul Prospero, nous. Le personnage qu'on contrôle, il va juste nous parler. Et il y a un truc qui me chiffonne. Oui. Déjà, c'est que là, on dirait qu'il parle au passé. On dirait que... Il parle pas comme si que il disait bon on avance, hein, on dirait qu'il parle au passé. Comme si que c'était une histoire qu'il écrivait au fait. En fait je pense que là, cette disposition on verra au fur et à mesure du jeu. Je pense qu'on vit, il raconte son histoire en fait. Et du coup on vient de ce tunnel. Mais un truc qui me perturbe avant d'avancer, c'est que je voudrais... Ah oui c'est vrai qu'il faut aller dans changer les touches. Moi j'en ai profité parce que j'ai fini la cinématique avant toi. Ouais. Clavier souris. Ça, je sais pas si je devrais le faire à chaque fois, mais de toute façon, je sais pas si on va enregistrer tout d'un coup. On Parce va que quand ça même se faire peut une que, grosse partie. Vu qu'on a fait des tests, qu'il n'y a pas vraiment eu de sauvegarde. Je pense qu'on va sait enregistrer. Pas, tout on d'un sait coup. Pas trop si ça va. Mais oui, il y aura quand même toujours, il y aura toujours des épisodes de 20 minutes, vous inquiétez pas. Mais je pense que je vais faire, on va essayer de faire une grosse partie on en tout cas. On coupe pas les non-épisodes, on dit pas bonjour, au revoir. Si, 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 20 minutes environ. 20-30 minutes, allez. Bon, moi j'avance pas pour l'instant, je t'entends moi-même. Moi je recule pour voir si. Je vais en arrière en fait. Pour voir. Moi je l'ai déjà fait, mais je vais pas te dire. Moi je retourne en arrière pour voir où est-ce qu'on atterrit. Et on verra bien où est-ce que ça va nous mener parce que. T'es long par contre, tu. What? Fait tout noir. Je me suis chié ou quoi? Je me suis trompé de sens? Mais quoi? Ben, je suis revenu au même point de départ. Non, 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 non. Quoi, je me suis pas trompé? C'est spécial. Et du coup, alors on se retrouve ici. Bon, bah, on va, je vais avancer tout doucement par contre. Hein, ça, je sais pas combien de temps ça va durer sur l'aspect, mais je vais aller partout. Eh ben, moi, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais prendre des petits sentiers de pierre, de terre qui va sur la droite. Moi aussi, je vais aller à la droite. Je vais aller à la droite et je vais voir ce qu'il y a. Oh! Je suis cardiaque! Non, non, je suis pas cardiaque, mais. Intuition. Maintenir, on va voir.
Une espèce de dessin bizarre. Moi, je vois surtout qu'on dirait des crânes. On dirait des crânes, des squelettes et tout ça. Et par contre, c'est piège. Ah ouais. Oh non. J'applaudis. Bien sûr que c'est un piège. Tu crois quoi? C'est pas mis de l'ours ici. Oh. Moi, tu sais quoi? Moi, j'ai pas envie de continuer le chemin. Moi, je vais aller derrière. Et moi, je vais sur la gauche. M'en vais parce que là, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Je vais de l'autre côté. Je vais aller partout, on peut dire, et je verrai bien ce qu'il y aura parce que ça c'est spécial. Ah ben moi j'ai trouvé un autre piège derrière. Ah, attends, me dis pas où. Façon, j'ai moi aussi. À gauche j'ai trouvé un trou. Waouh, j'ai trouvé un trou. Ah, ça me fait le même. Ah, il y a un deuxième. Attendez, on dirait une forêt. On dirait la forêt. C'est pas la forêt où ce qu'on est quand même ce truc. Je sais pas trop. Tu as trouvé le trou, Non, vide. Je suis allé en fait derrière le pic là qui a été propulsé de l'arbre. Je suis allé derrière. Attends, là je regarde. Ben, je vais aller aussi. Me dis pas exactement où. De toute façon, on va aller tout doucement. De toute façon, on explore un petit peu et on essaye de s'aider mutuellement pour trouver les différents indices. Hein. Et bon, c'est toujours mieux de découvrir par soi-même parce que je suis encore en train de frayeur, mais allez, je m'en doutais, je le sentais en plus. Je sentais venir à des kilomètres. Alors il va sûrement avoir un troisième qui va apparaître. Oui. Ça m'aide pas beaucoup plus, hein. Le troisième. Le troisième m'aide pas beaucoup plus. C'est sûrement celui-là que t'as trouvé. Ah, encore un. Attends, ça descend. T'as, ça va partout par contre. Ouais, mais moi je suis pas descendu de peur que ça aille plus oui, loin. Moi aussi. Donc je vais avancer par là. J'ai pas continué le chemin, je suis revenu en arrière. Attends, je vais un peu aller partout sans descendre. Je vais pas descendre pour l'instant. Alors, j'ai trois formes. Moi aussi, trois formes. T'as trouvé le trou ou un autre? Non, j'ai trouvé une autre trappe. Ok. Et l'autre trappe, elle est à côté de la voie ferrée. Attends, parce que là... Je te dis juste ça, à côté de la voie ferrée. Ça m'aide grand-chose parce que la voie ferrée, on va pas dire qu'il y en a beaucoup, mais... Enfin, que c'est pas tout le long, mais... J'ai trouvé ton trou. T'as trouvé mon trou? Du coup, ça m'en fait quatre. Ouais, un petit ciel. Attends, maintenant je vais essayer de plus me faire avoir. Ouais, la voie ferroviaire, je le sens bien. Où est-ce que ça est? Où est-ce que ça va être? Je sens que j'ai quand même stressé. Là, ça sent, ça pue le piège. Non? J'aurais bien cru pourtant. Ça pue tellement pourtant. Un genre de pont, mais on va pas aller tout de suite. Pour l'instant, je trouve pas. J'ai failli me faire bouffer le pied. Attends, pour l'instant. J'ai trouvé un piège à ours. Attends, ici il y a un petit sentier bizarre. Attends. Wow. Attends, j'ai trouvé un sentier bizarre, mais qui mène à aucun piège. Je bouge plus parce que je me suis. Tu stresses. Mais non, je me retrouve dans un autre endroit. What? Eh, j'espère pas me retrouver dans un autre endroit tout de suite. Tu vois le trohu? Ouais. T'es tombé dedans? Non, mais un peu plus sur la. À droite du trohu, il y a un piège à ours et apparemment. Je t'ai écouté, je me suis. Et justement, le piège à ours, je l'ai vu. Je t'avais dit de pas me faire peur. Alors, ça me fait 4, c'est ça? Ouais, ça me fait 4 pour l'instant. T'as pas trouvé celui près de la voie ferrée? Attends, je vais voir. Je vais peut-être le trouver. Moi je bouge pas, j'ai peur que ça enclenche quelque chose. Attends, là je suis à la fin de la voie ferrée où est-ce qu'il y a des rochers. Un peu avant sur la droite. Enfin, ouais. Quand tu vas vers les rochers, c'est sur la droite. Donc, attends, là, si tu reviens, c'est sur ta gauche. Attends, je recule en arrière, mon personnage est des reculons. Donc c'est à gauche. À droite. Ah, à droite. Ah ouais, je le vois. Je le vois d'ici, regardez, on a eu le même type de piège. Voilà, on a eu le même type de piège, donc intuition. Et bon, on va y voir. Qu'est-ce que ça fait? Normalement, ça complète tout. Ah ouais, ça t'emmène à l'endroit. Ah ouais, comme ça. En quoi t'avais raison, c'est des cadavres, des corps. À gauche. Oui, il y a une lettre. Il y a une note. Lire. Attends, merde. Texte. Merde, j'ai pas su lire. Merde. Tu dois faire espace pour lire. Merde, attends, ça me fait un dialogue. That's real nice. Ah. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Au pire, tu me le liras parce que. Ouais, bah, j'attends que t'aies fini tes phrases alors je te le lirai après.
Ah, je peux le lire, attends, je pense. Ah, voilà. La sève. Un vieil homme se rendait dans la forêt tous les jours pour voir la sève des arbres. Pour l'atteindre, il devait éviter de nombreux pièges. Le villageois pensait qu'il avait caché une amulette de jade. Mais le vieil homme voulait faire croire cela parce qu'il préférait que les villageois fouillent la forêt à la recherche des trésors plutôt qu'ils boivent sa sève. Par une froide soirée, quelqu'un mit le feu à la forêt. L'incendie se propagea jusqu'au village. Le vieil homme échappa aux flammes et se recouvra de sève. Quand il revient au village, il ne retrouvera que les os des villageois. Le vieil homme s'assit et pleura avant de boire encore d'autres sèves. T'as quel enculé ? Et c'est les autres qui crevaient. Et derrière l'image, il y avait un dessin. Une maison qui a l'air en flammes. Et une montagne derrière. Attends, il y a un truc. Ah non, c'est le soleil, ok. Attends, je regarde bien le dessin. Avec le piège à. Tu vois, avec le piège à housse en bas. Attends. On peut pas zoomer. Ah si, zoomer. Si, c'est clic droit. Ah, attends. Quoi ? Retourne au pied de l'arbre. Pour ? Dans le tas de cendres, juste en face de l'arbre, il y a un truc, un article de journal dans la cendre. Dans la cendre ? Attends. Juste en face de l'arbre. J'ai l'arbre. En face de l'arbre, t'as deux petits rondins de bois sur des cailloux et après t'as un tas de cendres. Je vois pas. Ah si, cendres. Eh ouais. Comte de Baldfield. Un incendie a ravagé une maison historique du Red Valley. Attends, et c'était là ce tas de cendres ? Je sais plus. Je sais pas si c'était là, hein. Je pense que ça a apparu une fois qu'on a lu la note. Hein. Au côté de Bayfield, 6 membres d'une famille dormaient dans la maison quand les flammes ont commencé à s'attaquer cette demeure isolée du 46 Old Golden Road à Red Creek Valley. C'est là où on est. Ouais, appartement autrefois à Albert Vandercliff, Gail Carter, Evan Carter, 58 ans, a été retrouvée morte sur les lieux. Les autres membres de la famille ont réussi à s'enfuir. Le mari de Gail, Edwin, 62 ans, a raconté aux enquêteurs qu'il s'était peut-être endormi avec une cigarette allumée à la main. La maison brûlait. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 1h22 du matin et sont restés jusqu'à environ 5h du matin. Ce mercredi, ils sont revenus sur les lieux 4h plus tard pour éteindre quelques foyers qui menaçaient de se rallumer. La brigade de volontaires de la commune d'Asland était présente pour aider à éteindre le feu principal. Les services de secours de Massonville est également présent sur les lieux. Attends. Ah, et encore après. Et encore après ? Quand tu fais encore espace après. Après une audience publique mouvementée, aucune réponse pour les héritiers Vandercliff par Tom Houghton. Comité de Baldfield. Les membres de la famille Vandercliff se sont à nouveau rassemblés dans le tribunal du comté de Baldfield aujourd'hui même pour débattre du devenir de la fortune de Vandercliff. Restée en dépôt fiduciaire depuis 1961, suite à la mort du patriarche de la famille Albert Vandercliff, alors âgé de 71 ans, sa mort dans un incident de mine a eu pour conséquence d'anéantir la société Vandercliff et de malmener l'économie locale. James Vandercliff, 38 ans, de chez Chicago, affirmait que les demandes de son père étaient déraisonnables et que de nombreux membres de sa famille Vandercliff avaient des raisons personnelles à vouloir éviter de vivre à Red Creek Valley sur le domaine de Vandercliff. Comme il était disputé dans les dernières volontés de Layel Vandercliff, l'incendie récent qui a touché la maison Vandercliff, déclara-t-il, ne fait que souligner les inquiétudes de sa famille. Depuis 1967, la famille Carter vivait sur l'ancien domaine de Vandercliff en tant que gardien temporaire. On sait pas les prendre ? Non, c'est pas les prendre. Non, c'est pas les prendre, tu peux juste lire. Mais attends, je me refais. Non, c'était pas là, tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a plus les crânes par terre. Les crânes, ils sont où ? Il y a plus les crânes par terre. Attends. Hop. Hé ! Quoi ? Je pense qu'on est revenu au fait. On a pas avancé beaucoup au fait. Attends, on va voir, je vais retourner par là. Attends, je remonte le petit chemin, là, il y a un petit chemin qui remonte. Ça vient d'apparaître, en fait. Parce que regarde tout ce que tu te retrouves. Au pont. Tu te retrouves au pont. Au pont. Je pense que pour cette zone... Au pont et...
Ah ouais. Je veux juste vérifier un truc. Les pièges, est-ce qu'ils sont encore là? Non, je pense qu'ils sont plus là. On a encore le bruit bizarre. Je suis à un endroit où il y avait un. Il y a encore le bruit bizarre quand tu t'en approches, mais il est plus là. Ah ouais, le piège. Celui qui était sur la, à côté de la voie ferrée. Quand tu vas où il était, t'entends le bruit bizarre, mais tu le vois pas. Ouais, t'entends un bruit bizarre. Attends, je vais revenir aussi au premier. Le premier, c'était... Ah oui, avec les deux arbres. Moi, à chaque fois que tu reviens sur la scène, au fait, il y a les... Les bruits. Les bruits. C'est ça, en fait. Assez spécial. Les bruits, mais ils sont plus là. Mais qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça pourrait signifier, en fait? Pourquoi ils sont plus là et ça que c'est... c'était... Eh, mais là où il y avait le trou, mais non, il y a un tas de cailloux. Oui, forcément, puisque le piège... Mais est-ce qu'on a activé le piège ou... Je sais pas. On va avancer. On verra. On va aller sur le pompon. Là, on va voir le pont. Le pompon. Voilà. Le pompon. Je vais au pompon. Sur le pont d'Avignon. Pont fermé. Non, tu crois? Non. Waouh. Moi, j'ai pas confiance. Hein. Non, attends, c'est surtout que... C'est quoi cette... On dirait de l'air ou je sais pas c'est quoi. Je sais pas si t'as comme moi. Oui, une espèce de débris qui vont vers la gauche. Ouais. Et attends, je vais vérifier un truc. Attends, il faut que je retourne en arrière pour faire attention hein, par rapport à notre truc. Attends. Désolé, je prends du temps, mais je vais vérifier un truc. La seule chose qu'il y a, c'est que ça me fait flipper, ça me donne pas confiance le pont, on a l'impression qu'il va s'effondrer. Je vois pas la direction du vent. Je vois la direction du vent en fait. Parce que là c'est sur la gauche, mais est-ce que c'est partout sur la gauche? Attends, je retourne à l'endroit qu'on était. Ouais, ça va sur la gauche, quand j'en reviens où il y a le petit chemin qui descend, les feuilles vont vers la gauche. Attends, on n'a pas été aussi c'est en bas, est-ce que... Est-ce qu'on devrait pas plutôt aller en bas, tu vois, qu'on avait peur d'aller? Je sais pas, à mon avis, ça, en fait, c'est le chemin que là d'où on vient, où il y a le tas de cendres, mais à mon avis, vu qu'on avait peur d'avancer. Est-ce qu'on devrait pas aller en bas, au fait? Ah, on sait pas, de toute façon. On sait pas. Ok, on sait pas. Du coup, on va continuer sur le pont, en fait. Sur le pont d'Avignon. Non, c'est pas le pont d'Avignon. Je peux te dire que ça, c'est pas le pont d'Avignon. Par contre, les musiques sont parfois belles. Reposantes. Ouais, ouais. Ah, la musique, par contre, elle s'arrête. Ah, toi aussi, t'avais quitté le pont, en fait. Red Creek Valley. Ah, Red Creek Valley. Oh, enfin, vous savez dire, quoi. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Oh, j'ai l'impression qu'on dirait que ça peut se casser. He didn't need to worry. I'd work dozens of cases, hundreds. Attends. This would be my last one. Tu vois ce qu'il vient de dire? Mmh. Celle-ci serait ma dernière. C'est une histoire qu'il raconte. Pourquoi il dirait ça? Qu'une idée. On verra bien ce qui lui arrivera. Mais non, il dit que ce sera sa dernière parce que pour lui, c'est la plus grosse enquête. Mes couilles. Plus grosse enquête. Mes couilles. C'est juste un enfant qui lui envoie des trucs. Arrête, hein. M'invente pas n'importe quoi. Attends, je regarde. Regarde en dessous du pont et tout ça. Regarde quand même en dehors du pont, les décors sont pas mal quand même. Oui, quand je vois le décor, oui. Par contre, le jeu, oui, y a pas à chier. Il est beau. Y a pas à chier. Quand tu regardes à droite, que tu vois tout le lac avec l'île au milieu, avec le petit pont. Et tout ce que je sais, c'est que ça claque. Le jeu, il claque. Ça, y a pas à dire. Examinez, y a un wagon. Attends, je suis pas encore là, moi. Et je vais avancer plus vite. T'as bien vérifié avant aussi parce que. Sang, animal, meurtre, manivelle. Écorcheur récent vient de servir. T'es devant la locomotive, c'est ça? Manivelle. Putain, y'a plein de textes partout. Manivelle. Attends, je suis à la locomotive là. Devant, juste devant la locomotive, t'as examiné. Ah, devant. Manivelle. Ah ouais. Sang, animal. Ah ouais, j'avais pas vu le sang. Humain. Accident, meurtre. Ah, mais putain, ça quitte pas l'écran, y'a manivelle partout! Manivelle.
écorchure récente, bien de servir. Manivelle, manivelle, manivelle. Ah ouais, manivelle, manivelle. Ouais, tu peux te déplacer, hein, ça reste. Je sais, manivelle, manivelle, manivelle. Oh, on peut rentrer aussi. Manivelle. Ah, ça, quand tu rentres, ça l'enlève. Faut bah, peut-être. Je sais pas si ça va venir. Trouver la manivelle, je sais pas. Ça, quoi, les ça sert à rien. Ça non plus. Éteindre. Avancer, reculer. Avancer, reculer. Avancer, reculer. Appuyer. À mon avis, je pense qu'il faut la manivelle pour la faire fonctionner, non? C'est comme les vieilles voitures que tu dois faire tourner la manivelle pour faire démarrer le moteur. Tu vois plus ou moins ce que je veux dire? Manivelle. Ah ouais, manivelle, manivelle. Merde, merde! Ouais, et après, quand tu cliques dessus, ça refait manivelle, 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 manivelle. Ah, c'est bon, ça s'enlève rapidement. Oui, ça s'enlève quand tu t'éloignes. Ah, on s'est pas sauté dans le jeu. Non. Donc, je sais pas, il y a peut-être une manivelle qui traîne quelque part. Mais où? Sur la route, tu crois? Je sais pas. En tout cas, il y a une trace de sang dessus, donc il y a sûrement eu un impact de bestiole ou je sais pas. Eh, on sait pas, comme il a dit. Là, peut-être. Alors, il y a un chemin qui va à gauche, il y a un chemin qui va à droite, il y a les rails qui continuent tout droit. Tu te rappelles de la direction du nain? Bah, la direction du nain... la direction de l'elfe, c'est à droite. Mais... Bah alors c'est à gauche qu'on va. On va aller à gauche, on va faire ça. Tout doucement, hein. Tout doucement, on cadre un peu partout. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac de toute façon, donc on va pas aller. Chut, chut. Y a pas de cul-de-sac dans le jeu. Attends, des fois, si je me tais les gens, c'est parce que j'écoute bien les sons. Je sais pas pourquoi ça peut. Je suis sûr qu'il y a quelque chose par rapport au son aussi qui peut jouer. Ah ouais, c'est vraiment un cul-de-sac. Tu trouves pas ça un peu étrange que ce soit un cul-de-sac? Ouais, je sais pas, en même temps, il y a d'autres chemins. C'est peut-être pour pas trop s'égarer non plus. Non, 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 non. Pourquoi ça proposerait d'aller par là? En tout cas, il y a un gravat de cailloux qu'on peut juste pas. Juste pour le plaisir? Bon, on va à droite alors. J'essaye de passer dessus comme le cheval dans Skyrim. Non, non, on n'est pas dans Skyrim, c'est pas aussi. Attends, je suis sur la droite alors. J'ai pris le chemin de droite, je suis dans les herbes. Alors, en fait, il rejoint la voie ferrée après en fait. Attends, je vais par là. Je vais descendre. Ah, je sais pas descendre. Ok, t'as quand même une limite en fait, ouais. Attends, sur la voie ferrée, il y a à côté, il y a un petit truc blanc avec une corde. Attends, je reprends la voie ferrée. Ah bah en fait tu continues le petit chemin à droite, tu descends, il va longer la voie ferrée et à un moment tu vois une espèce de boîte avec une corde. Putain, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Je suis devenu parano dans le jeu. Attends, je regarde quand même bien partout toujours. Il y a un petit chemin qui monte là, non? Il y a un coupé. Wow. Non, ça c'était juste un frise, je pense. Et noué, pas de sang. Corde. Ah ouais, là. Examiner. Lien coupé. Noué. Pas de sang. Et pourquoi il y aurait du sang? Parce qu'on a vu du sang sur la locomotive juste avant. Attends, corde. Je sais pas l'attraper? Non, j'ai essayé aussi. Mais il y a ça aussi, ce bloc. Mais ça, je pense qu'en fait, c'est juste un truc qui te dit les kilomètres. Mais il n'y a que celui-là. Non, il y en avait aussi un au début, près du tunnel. Attends, si je m'accroupis. Non plus. On dirait qu'on sait rien à faire avec ça. J'ai l'impression, en tout cas. Il y en a un peu partout. Ouais, je regarde aussi. Non, j'ai pas l'impression. Attends, je continue la route alors. Quoi? Bah, y'a un peu. Du sang, y en a là. Ouais. Examiner, reste du cadavre. Non, tu crois? Ah, c'est ça? Victime? Non, tu crois, victime? Traîner, je l'ai rampé. Jambes coupées. Non, tu crois, on a pas remarqué. Et jambes coupées, ouais. Et des pieds, tout bizarre, rame sensible, c'est absolu. On va suivre la trace de sang. Attends, je retourne tout près de la corde. Je sais pas pourquoi je préfère. Ça aurait pas pu servir. Attends, je regarde. Bah, ça aurait peut-être pu servir à attacher la personne et qu'à. Enfin, je sais pas, que quelqu'un a essayé de le sauver. Il a pas su se sauver à temps, je sais pas. Attends, s'il serait passé comme. Attendez, faut prendre le problème à l'envers. On va dire que lui arrivait de par là. Est-ce qu'il s'est fait avoir par la
D'accord. Bah, la locomotive, elle a continué vers là où on vient, ça c'est sûr et certain, vu qu'elle est arrêtée, il y a des taches de sang dessus, donc c'est sûrement ça. Tu crois qu'il était déjà blessé ? Non, les jambes ont été coupées quand le train est passé, ça c'est sûr. Tu crois que c'est le train qui a fait ça ? Ouais. Parce que c'est surtout le long de la rail de gauche que le sang il est dessus. Attends. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il était peut-être pas attaché avec la corde. Justement, parce que la corde elle va jusqu'au bout. Est-ce qu'on l'aurait pas attaché ? Tac, ça aurait coupé sa jambe, mais c'est un peu. Elle est beaucoup trop loin en fait, sa jambe. Pourquoi ? Est-ce que. Là. Il y aurait du sang directement ? Oui, mais le sang il continue ici. Attends, je vais suivre le sang. Mais c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu étrange quand même. Ah bah, on a retrouvé le corps. Examiné. Du sang de quoi ? Du sang des jambes. Fracture du crâne. Cause du décès. Hémorragie, trauma crânien. Touché. Ah ! Le même truc. Pas encore. Scène du crime dérangée par quelqu'un, rongée par le temps. Ah, et quand tu fais toucher à plusieurs endroits... Oui, on voit à plusieurs endroits. Tu peux pas voir mieux. D'avoir son bras. Là. C'est dur quand même de voir. À mon avis, il faut trouver sûrement encore d'autres éléments. Je vais essayer d'aller revoir la corde maintenant, si ça fait quelque chose. Je suis sûr qu'il faut trouver la manivelle. Je sais rien. Non, la corde et les jambes, ça fait plus rien. Y a plus rien ou... Non, c'est juste qu'il peut marquer en gris, c'est quoi. Y a toujours le nom, mais je veux dire, tu peux pas interagir. Attends, je vais avancer un peu. Y a un truc, y a un objet là, sur la route, qu'est-ce que c'est? Ah, y a un bidon d'essence à côté de la rail, si tu essence, continues un peu. Essence, du gasoil... Tomber, négligence, intentionnellement pressé, jerrycan, et il y a encore autre chose à examiner. Ouais. Herbe sèche, manque de soleil, frame rectangulaire, autorail du pont, autorail. À quel moment? Ah ouais, parce que quand tu... C'est que à une certaine limite, au fait. Attends, si je vais là, que je vais tout droit, ça m'amène où? Autorail. L'autorail, c'est le truc qu'on a vu avec la manivelle. L'autorail. Attends, je vérifie un truc. Par rapport au corps, quand t'es devant les herbes bizarres, tu peux atterrir devant le corps, en fait. Attends, je vais jusque là, tac. Ouais, et si tu suis la direction du jerrycan aussi. Ouais. Ah ouais, où est-ce que... Si tu suis dans le sens où le jerrycan est mis... Et tombé, ouais, tac, il y a le corps. T'as le poteau, et puis derrière, t'as le corps derrière les herbes. Ouais. Maintenant, est-ce que... Attends, je vais essayer de retoucher, on va voir, parce que peut-être que quand on a trouvé le jerrycan, ça montre peut-être des trucs. Qu'est-ce qu'il dit par autorail? Mais l'autorail, je pense que c'est la machine, là, qu'on a trouvé plus haut. C'est ça, un autorail. D'accord. Mais on a toujours pas la manivelle. Ah, attends, j'ai trouvé un autre truc à examiner. Où ça, à peu près? Tu vois où t'es, où il y a le jerrycan? Ouais. Tu ravances vers les jambes coupées sur la droite dans l'herbe, puis il y a une espèce d'arp coupé. Attends. Là, j'avance... attends. T'as un tronc d'arp coupé... Enfin, t'as une souche d'arp coupée dans l'herbe. Sur la droite, quand tu reviens vers les jambes en étant sur les rails. Là, je suis sur les rails, ouais, je reviens. Ah oui, il y a un... Mais j'étais allé pourtant, là. J'étais sûr d'avoir été. Il y a un caillou avec du sang dessus. Mais j'étais sûr d'avoir allé. Prendre. Ah, là, on peut le prendre. Et qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un... Un caillou avec du sang, hein, quand il avait dit traumatisme crânien, il a peut-être été tapé à la tête avec le caillou. Non? Attends. Parce que quand tu vas revoir le corps, tu vois la tête bien en fait. Il y a la rien en fait. Ouais. Attends, c'est bizarre. C'est qui au fait?
pas, faut trouver plus d'éléments parce que. Attends, pour l'instant, que... on agrandit pas la tâche. Normalement, si ça fonctionne comme les pièges, ça devrait agrandir. Mais on voit bien la tête, hein. La tête, on la voit bien. Attends, c'est malheureux, mais c'est pas celui-là qu'on cherche, justement. Non, c'est un gamin qu'on cherche. Ça mais je te... Regarde. Je te dis, regarde la tête. Regarde bien la tête. Pour toi, c'est un vieux? C'est pas un petit gamin non plus. Tu regardes quoi, la tête bien ou avant ou après? Moi, je vois la tête avant, hein. Avant qu'il se fasse fracasser. Ouais, ouais, mais même, on dirait pas une tête de gamin. Un doute. On continue par où? Moi, je descendrai un petit peu le chemin que ça descend où il y a le corps. Attends, voir s'il n'y aurait pas des éléments dans l'herbe pour... Enfin, en bas, ça mène à la mer, je vais aller voir un peu. Attendez, je vous fais juste une petite idée, je vais voir le temps de la vidéo parce que j'ai pas bien calculé. Ça se peut, ça fait assez de temps. On n'aura pas beaucoup avancé, mais on aura quand même découvert quelques trucs. De toute façon, ce truc, il va prendre du temps, j'aime vous le dire. Donc, je vous reprends tout de suite pour voir le temps. À tout de suite, les gens. Bon, ben, je vous reprends. On va pouvoir se laisser là, ça fait une demi-heure. La prochaine fois, on essaiera de découvrir la suite de ce corps. Même si je suis sûr que pour moi, c'est un jeune. Mais sur ce... On verra bien, de toute façon, si ça fait comme avec les pièges, qu'on va rassembler des images et qu'au final, on va sûrement avoir un indice par rapport à ça. Trop facile. Un papier ou quoi, on verra bien. Trop facile. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis. Et à laisser un petit j'aime. Hey. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter. Hey, mais pour vous faire connaître ce let's play. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout... Portez-vous bien. Oh.